Henri Conan Bessier, président du PDCI RDM. Mesdames, Messieurs les présidents des partis et organisations politiques de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres des syndicats et de la société civile, honorables invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est pour moi, c'est pour nous, membres du GPS, Génération GPS solidaire, un honneur et une fierté d'être aujourd'hui à la table de ce grand homme, plein de sagesse, apôtre de la paix, j'ai nommé le président Henri Conan Bédier. Conformément à la déclaration du 17 septembre 2020 de notre leader Soro Kibafori Guillaume, le GPS demande la libération immédiate de tous les prisonniers politiques détenus arbitrairement et ce sans jugement. La dissolution de la CEI actuelle et la mise en place d'une nouvelle conformément à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 15 juillet 2020. La mise en place d'un conseil constitutionnel non inféodé au pouvoir, un audit international de la liste électorale, la présence d'observateurs internationaux pour contrôler la régularité du vote et nous renouvelons notre appel à l'unité d'action pour faire barrage à la forfaiture et au parjure du pouvoir actuel. Monsieur le Président, pour paraphraser une écriture sainte, et je cite, « Une seule parole de vous et le peuple sera sauvé. » Je vous remercie.